What? What? Il y a de très très nombreuses années que le sport adapté existe et qu'il y a des calendriers qui sont mis en route. Et surtout, c'est une pratique quotidienne. Donc effectivement, l'intégration dans les clubs civils, c'est bien pour ceux qui peuvent le faire, mais c'est pas la grande majorité. Et c'est vrai qu'on a été un peu, le handicap mental fait encore un peu peur et des fois on a du mal à incorporer nos jeunes, hein, nos sportifs. Je viens du sport valide, donc je pratiquais beaucoup d'athlétisme. Donc j'ai eu un coup de foudre quand j'ai découvert ce public-là, le sport adapté. Et 30 ans après, je n'ai aucun regret. Je prends toujours autant de plaisir à militer pour cette fédération. Et j'espère que dans les années à venir, on arrivera à promouvoir cette fédération parce qu'elle le mérite amplement. Dans l'athlétisme, je pratique du saut au lancer. C'est des épreuves combinées. Un exemple, par exemple, en longueur, je vais gagner 1 cm, je vais gagner 1 mètre dans la vie. Et entre nous et les personnes handicapées, il n'y a pas de barrière. Entre nous, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Même si on connaît la personne aujourd'hui, demain, quand on va nous voir, c'est comme si on était des personnes de longue date, on se connaissait depuis des années, quoi. On parle comme si on se connaissait depuis tant petit. De la vie de tout le monde, j'ai eu des gens, j'ai discuté avec des gens aujourd'hui qui sont du monde valide et ils sont surpris par ça, par le sérieux de nos sportifs et aussi la façon dont ils respectent les règles. Il n'y en a pas un qui conteste, et ils s'encouragent mutuellement. Je crois qu'il y a vraiment une leçon de vie à prendre en venant assister à ces championnats. Donc venez voir nos sportifs, venez les encourager et vous verrez que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. What?